breton. Bon allez, on va s'arrêter. Vas-y, entre. Tu vas où? Je vais à Brest, ça te dit quelque chose? Non, je connais pas du tout. Mais moi je vais en Suisse, c'est bien ou pas? Faut s'arranger. Allez, vas-y, monte. Bon, dépêche-toi, hein. J'ai pas de temps à perdre. Je me grouille. Moi j'ai des spots à riper, hein. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Allez, hop. Go. Ouais, un cabri quoi. Je savais pas qu'il y avait ça par ici. Oh putain, fais gaffe. Aïe. Ah, c'est chaud là, on fait quoi? On embarque? Allez, hop là, vas-y, ferme. Allez, bon, on y va. Les gars, on est à la fin de la semaine, ouais, actuellement. Première semaine. Mais vous, c'est le début de la vidéo et on va vous expliquer ce qu'on a fait. C'était vraiment très cool. On est allé en Suisse, en France. On commence avec le jour 1. Alors les gars, qu'est-ce qu'on a fait le premier jour? On est parti de Grenoble. Premier jour, départ de Grenoble pour direction le Bourget du Lac. Et on a filmé du monocycle. Alexis, voilà. Mirka. Voilà. Très très bon. Trop fort. Très solide. Alors Eneur, c'est cool? Ça rend bien? Il y a des trucs vraiment cool. Là du coup on est au grand angle, ouais, avec le stab, j'essaye de faire des plans où je suis vraiment proxy. Comment tu sens le truc? On se débrouille. Bonne petite session, dommage hein, on avait le soleil et il y a plus. Le home spot. C'est vrai que tu t'es fait mal là déjà à l'échauffement. C'est rien. C'est... Waouh mec, c'est chaud, attends. Oh. En vrai le monocycle c'est un sport vraiment tu vas charcuter, non? Au début, c'est les tibias qui sont tout le temps. Les chutes sur les intercessions. Ouais. En monocycle, ce qu'on appelle freestyle, ça s'apparente à des disciplines un peu comme de la danse. C'est assez chorégraphié. Okay. Et là, on va appeler ça, c'est du flat. Du flat, ouais, comme le BMX. Quoi. Ouais. Ok. Je vois. C'est vrai? Oh, les mecs sont chauds là. Ça shoot direct. Tu parles aux zozos? C'était pas la première fois que je faisais du monocycle. J'en avais déjà fait quand j'étais au collège. Comme tu peux le voir, j'ai encore de bons restes. Super! J'ai déjà essayé, mais galéré quoi. Allez, 3-6. Pas mal! Ouais, c'est là où tu te rends compte quand t'as essayé une fois. Que ce qu'il fait, c'est complètement dingue. C'est très dur. Ah ouais, c'est clair. C'est laisse tomber. Moi j'ai essayé, je faisais presque ça. Tu délires. Où est-ce que les gens ils peuvent te suivre? Il y a une chaîne YouTube. Chaîne YouTube. Là, sur Insta, je mets pas trop de mono. D'ailleurs, on a fait un petit edit. On vous met de suite là, comme ça. Allez. C'est cadeau. Alors, ça vous a plu? Donc justement, après, on a fait quoi?
Session terminée. Alors, on a roulé jusqu'à la forque là. Ouais, au col. Lac d'Annecy. Et Néour, qu'est-ce que t'en penses là? Bah, après combien? 1h30 de route? Ouais, je sais pas, dans les petites routes. Ouais. Eh ben, on voit ça! Bang bang! C'est vraiment stylé, hein. Il est où Gab? Il est là-bas avec les touristes. Ah, il est là-bas. Oh, il est fort, hein. Allez, on le laisse tranquille. Tu l'as levé de lune aussi, je sais pas si vous vous souvenez, oui. C'était joli. Oui, exactement. On a, dormi un on a fait quelques photos au milieu de la route. On vous les met là. On n'a pas pu trouver un endroit plat pour dormir au col. Au col. Directement de la forque là. Ouais. Donc on est allé juste en dessous, on a trouvé un endroit vraiment top. Il n'y avait qu'un seul problème. Et nous, quel cahier, problème. Il faisait super froid. Bon, installation du hamac, prêté par Gabriel. Je vais tester de faire la nuit dedans, je suis pas vraiment sûr. On a trouvé des arbres assez éloignés, je me suis mis assez haut au cas où il y a des loups qui veulent me bouffer. En vrai, je sais pas s'il y a des animaux, mais bon. J'ai mis un sérieux de couchage 0 degré pour être sûr. Le défi, c'est de passer la nuit. J'ai dormi en hamac. Ah ouais. Je m'en souviendrai toute ma vie, je pense. T'avais l'air de Natico avec ton... super loup. Ouais, c'était un enfer. Donc voilà, première nuit. Par contre, dans le van, dans nickel. Le van, super. Franchement, on était vraiment au top. Et du coup, deuxième jour, on part. Direction la Suisse. Direction. Pas encore. Pas encore, c'est vrai. Totalement faux. Deuxième jour, on c'est part. Totalement faux. Deuxième jour, on part direction le lac Léman. Ouais, frontière c'est franco-suisse. C'est ça, entre Genève et Annecy. Ouais, il y a une Genève, montagne quoi. En fait. Et du coup, on a shooté Tivan. Ouais. Un athlète, un mec. Super. En or en plus, super gentil. Et on a fait de super images. Et du on vélo vous... de route. Et on vous met les dites. Maintenant. C'est parti. Voilà, petit making of, on est en train de shooter et ça se passe bien. Ça fait combien de temps que t'en fais? Ça fait 5 ans. Tu t'appelles comment déjà? Tivan. Ouais. Tivan, ok, ben merci à toi déjà. Ok, ok, bon le shoot avance. Finalement on n'est pas monté direct, j'ai fait quelques plans avec le skate. La forme. On a fait la petite visite du van. Ah. En vrai ça tue, hein. C'est pas mal ce que t'as fait. C'est pas mal hein. On a fait des plans un peu par ici parce que c'est un super spot, il y a plein de virages et après on va aller juste en haut. Ciao les gars! Content de t'avoir connu! Ciao! Bon, c'était pas trop dur? Ouais, ça va. Ça va, monsieur qui fait 90 km, 10 000 mètres presque de dénivelé. On est un vrai athlète. Allez voir son Insta, n'hésitez pas. Et merci à toute l'équipe aussi. Hein. Bon, il n'y a que Hugo qui a rien fait du tout pour le coup. Mais sinon, il y a Axel qui nous a aidé avec la voiture pour faire les plans coffres. Gab, t'as fait quoi? Pas grand chose, non? J'ai gardé le van. Oh. Ah, t'as gardé le van, bien vu. J'ai fait du backstage. Et Néour qui envoyait du grand angle sur le trépied. Ouais, et dans le coffre. Et dans le coffre aussi. On s'est régalé.
c'était vraiment incroyable. Et on a eu un coucher de soleil de ouf aussi. Hein. Soleil, ouais. Ouais, on a eu un super coucher de soleil. Ah, super session, franchement, journée. Ouais, au top, rempli au bloc. Enfin, on était bien crevé à la fin. Allez, ça va partir en skate. Et cette fois-ci, c'est pas moi qui vais piloter en drone. Ce soir, on a roulé jusqu'à une ville dont on ne connaît pas le nom. Ouais, c'est pas du tout. Vaut mieux pas qu'on cherche. On s'est posé c'était une aire de des travaux, c'était, c'était en ville, et... aire de camping-car. Le seul avantage qu'il y avait, c'est qu'on avait l'élec et l'eau gratuite. Il y a une toilette aussi, je crois. Bon alors, ce soir, petite nuit tranquille. Il paraît, ouais, en pleine nature. Voilà, on aime, hein. Ça va être sympa. Vraiment, au top. Regardez, ce spot est un peu bruyant. Il est 1h du matin là et il y a un maximum de travaux quoi. Et Néour dort dans son palace ici même. Donc voilà, nous on va dormir là. Allez, c'est parti, bonne nuit. Ouais, on a pu faire le plein et c'était génial parce qu'on avait besoin d'Elec quand même et d'eau. Bon alors Félix, cette nuit Bah ça s'est très bien passé. Après bon, bah, un peu courbaturé mais ça va. Et on se régale là sur bah, toujours en pleine nature, ça change pas. Ouais. Trois petits chargeurs, on charge à 3A, 1.5 avec l'écoflow. Avec l'écoflow, hein, oui, bien sûr. Petit charge. Ça, ouais. Pour les vanlifers, petite charge du van qui permet de charger la batterie auxiliaire de 160 Ah bah, à 99,99%. Voilà. Nounours. Dans sa Fashion Black. Fashion Black, hein. Elle tient bien quoi au vent. Et voilà. Il a dormi en pleine nature lui pour le coup. Ah bah là il s'est régalé. C'était vraiment... Il y a un an il disait Inch'Allah tout pensant. Il y a un an c'était... C'était différent. Bah là bon... Ça a perdu en gamme. Oh, voilà voilà quoi. Avant d'aller en Suisse, faire le plein, voilà. C'était sympathique. Et du coup... Le lendemain. Le lendemain. On a passé la frontière. Tranquille. À tout moment on passait pas la frontière, on se faisait bloquer. Ouais. On savait pas trop. C'est passé. Et du coup on a tapé, là, je vois sur mon note, gros freestyle avec Alexandre. Ah ouais, pour monter c'est... C'est raide hein. C'est fun. Théoriquement la loi Suisse t'interdit pas de traverser l'autoroute mais... Ouais, c'est faut éviter hein. Les lois sont pas trop chiantes. En Suisse elles sont vraiment... C'est relax. C'est parti, là aujourd'hui c'est freestyle, toujours avec Gab et Néour. Et regardez qui est là. Le Suisse, le meilleur, Alexandre FEV. Et, ouais, et on est sur ce spot. Et Néour, tu peux te bouger s'il te plaît un peu, juste. Voilà, merci. Tu caches ta vue, c'est ça que tu es en train de dire. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Allez, c'est parti, on va voler avec la petite Flex One, avec la GoPro 5. Go! Deuxième batterie en freestyle, trop cool ce spot, c'est la map suisse en mode un peu urbain, ouais. Je kiffe, c'est trop bien, c'est incroyable. Ça s'appelle comment là, c'est pas des trippy spin ou quoi? Je connais aucun nom, je pourrais pas le dire. Tu sais quand je tourne à l'envers en fait je suis en orbite mais inversé, ouais, c'est, vraiment stylé. C'est trop bien et c'est la première fois vraiment que je teste sur le terrain. Ouais. Parce que je le fais ça sur le simulateur, sur Velocidrone. Ça a passé à ça, ouais. Et ouais, la fin, je me suis dit, oh. Non, on le tente pas, tu vois. Genre, mais ça a passé. Et c'est passé. Oh là là. Putain, mais non. Tu vois, t'en follow une sur le côté et tu dives après. Ah ouais, ouais, mais là, t'es chaud en fait.
Là, il est propre. Allez, c'est quoi, ouais, bien, quoi. Ça va, l'angle ou pas? Oui, oui, nickel. Okay. Là, t'es avec Falco. Ouais, ça va nickel. Hein. C'est réglé au poil. C'est toi qui règle tout. C'est, bah, en fait, le truc, c'est que vu que Damien vole, on vole la même chose. Souvent, je mets le thune de Damien et c'est pareil. Ah ouais. Après, je peaufine juste les PID parce que des fois, moi, j'aime un peu les PID différents de Damien. Mais du coup. Lui, il règle au poil. Quoi. Ouais, bah lui, il est calé, Damien. Ah, c'est un pro. C'est lui qui a réglé ma mèche. C'est vrai qu'on t'accélère un peu. Je suis. Eh, mais claque, t'as, le fou, t'as des lignes blanches, quoi. Enfin, des... Pourtant, avec le condo, normalement, ça limite, non? Ouais, mais en fait, là, vraiment, tout est un peu détruit sur ce drone. Ah, ok. C'est vraiment. Le condo, ça. En d'électronique, là, ici, elle date de plus d'une année. Enfin, c'est. La récup à gauche à droite, un peu. Okay. Mais en vrai, ils volent trop bien. Parce que ça tu sens le feeling en analogique, le condo, ça limite les. Un peu. Mais c'est plutôt pour le feeling. Okay. C'est plutôt pour le feeling des gaz. Tu sens vraiment? Moi, je l'ai senti à l'époque, je le sentais déjà. Ok, d'accord. Tu peux mettre plus. Enfin, t'as plus de. Non, c'est juste que. En fait, c'est. Comment expliquer? Tes gaz sont plus doux que avant. C'est comme si tu faisais clac. Et là, En fait, bah en vrai, ça lisse les cons. Un peu, ouais. Tu prends ton pied ou quoi? Alors, du coup, Falco, ça vole super bien. Non, tu sens ce feeling très verrouillé, très loqué et très rigide dans les mouvements? En fait, c'est. Ouais, en fait, c'est méga précis. Et bah, c'est ça en fait. Pourquoi on vole tous? Oui, ça vibrote. Normal. Parce que c'est précis. T'as de quoi? J'ai la radio qui vibrait. Non, c'est normal, c'est le timer. Parce que j'ai mis à 2 minutes 30, donc il va te dire, il va te vibrer, il va te. Moi aussi, elle vibre d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Parce que sur bêta, t'as pas réussi à trouver un truc similaire? En vrai, j'avais déjà essayé à l'époque, mais même en mettant des i à 200, mais bah c'est pas assez verrouillé et en fait, on n'y arrive vraiment pas à trouver ce truc. Ouais. Damien avait essayé et après. C'est fou, hein? Parce que là, bon, t'as même pas de propos, je pense. Non, il y a pratiquement rien. C'est vrai que là, sur mes quads freestyle, ils volent mal, quoi. Après, c'est. Je prends pas le. Ouais. Parce que ce qui est chiant, c'est que. Ouais, ça me fait chier d'avoir du Falco après du bêta. C'est quand même un peu capricieux, quand même, Falco. C'est un peu. Des fois, c'est. Suivant l'altitude, des fois, les chauffe-moteurs. Ah, mais c'est dingue, c'est trop bien. Oh les gars, du chasing de dive, c'est fou. On se oh là là, dans tous les sens. Et je l'ai le moment où tu passes au-dessus là. Ah ouais? Ouais. Oh là là. Donc merci à toi Alexandre. Ouais. Parce que franchement, on a passé un bête de moment. Ouais, c'est une bonne approche de la Suisse en vrai. Incroyable. Ouais. Bien cool. Bah d'ailleurs on a fait quelques petites vidéos. Et après, non, après ça on était baigné au lac aussi. Non mais ça dit pas trop, attends. Ah oui, qu'est-ce qu'on a fait sur ce spot? On a volé à 4. On a volé à 4. Alexandre est un analogique, on est pro en DJI, ça passait nickel. Et on s'est fait... Nickel je sais pas, il y a des moments où quand même... Non mais c'est ça quand même qui... Ouais. Bref, on a fait du dive à 4. C'était super. Et c'était sympathique. Très bonne sensation. C'était vraiment très cool. Ouais. Après le gros freestyle. On va au lac, super petit lac, c'était quoi le lac de Neuchâtel? Neuchâtel. Exact. Ouais, c'était bien sympa. Au-dessus du lac Léman. Super joli, franchement. Petit spot pareil d'Alexandre. Oh là là, il nous a amené sur un spot. Déjà, il nous a montré son spot freestyle où il vole l'hiver. Ouais. Quand il n'y a pas de campeur, donc c'est des grands pins. Ou, je le sais pas VD8. Si vous avez, le VD8, si vous avez vu ses vidéos freestyle, c'est incroyable. Voilà. Et du coup, il nous a montré ce spot. Petit, on a fait du paddle. Et oui, j'ai gonflé parce que dans mon petit van, j'ai un paddle, je l'ai gonflé. Et du coup, on a fait un petit tour dans une eau congelée. Congelée, elle était belle. Clairement, elle était froide. Très clair. Et c'était super joli. Un peu de FPV pour moi, je pense. Ouais. Non, Eneo a volé aussi. Ouais. Du Mavic. Ouais, c'était sympa quoi. Non, franchement, journée au top. Ça fait, on a enchaîné 2 jours. Ouais. De ouf. Il faut quand même dire que le soir aussi, Alexandre nous a encore régalé. Il nous a amené sur un spot. Mais c'est fou. Ça s'appelle un refuge. Il y a tellement de différences entre la France et la Suisse. Et. C'est trop marrant, on a discuté et tout ensemble. Et il nous a amené sur ça. On va pouvoir faire un barbecue, on va pouvoir se poser, on va pouvoir faire du freestyle ici, on va pouvoir charger les lipos. Et on va pouvoir se poser pour demain aussi parce que j'ai besoin de travailler, faire du montage. Et non, c'est juste parfait, ça tombe trop bien. Merci Alexandre, vraiment. Ouais.
Ah, on vient de manger les petites saucisses grillées que Gab nous a fait. Et là, on va manger les petits marshmallows. T'as tes lipos qui sonnent. C'est pas les miennes. Ah, c'est les tiennes, Gab? Je crois pas. Super fort. Parce qu'il y avait la flamme de ça. Ouais, j'ai vu. Regarde, ça fait vraiment gitan. C'est... C'est ça. Ouais, des années de... Là, y a Gab là-bas. Voilà, c'est la première douche. Mais douche froide pour le coup. Parce que j'ai eu un petit problème avec le chauffage, le trauma là. Le boiler. Une petite flamme. Donc là, gros freestyle, on s'est amusé. Il y a Justin qui nous a rejoint. Justin qui nous a rejoint, ça rime en plus. Oui, c'est marrant. Justin nous a rejoint. Très sympa, très chaud aussi. Encore, mais oui, comme toujours. Il vaut les pleines balles. Trop gentil. On a même pu tester son RDS. On a pu tester le Mavic aussi. Mais, Mavic et vous en avez pensé quoi, rapidement? Franchement, sympa. Léger, petit, ouais. Plus c'est petit. C'est un Mavic 2 Pro, en gros, plus léger. Mais sur le format d'un ouais. Mavic Air, en fait. Ok. Mmh. Bon, voilà. Bon. C'était la review la plus rapide du monde. Mais c'est pas grave. C'est on a volé tous ensemble. Bon, c'était un peu freestyle, découverte, rencontre avec tout le monde. C'était sympa. Voilà. Donc ça, on a passé toute la journée, pour le coup c'était vraiment chill, ouais, moi j'avais besoin de travailler le matin, j'avais du montage à faire, ouais. Donc c'était au top. And stepping stones from roadblocks, slip over the lines that say we won't cross. But you can't answer to nothing. They want us just coming. Scale all of the walls they built to hold us. We may be invisible, but we'll be unmistakable. Ça se voit qu'il est en analogique parce qu'il a pas peur de se prendre les branches vu qu'il les voit pas. Ouais. Exactement. Oh putain, c'est violent. Hein. Aujourd'hui, on a terminé, enfin en tout cas, moi j'ai terminé mes batteries. On s'est régalé. Toujours avec Alexandre. Ce spot est magique. Caviar pour s'entraîner. L'étude des choses, proxy, open air. Ouais, non, c'était fou. Quelque chose à dire? Bon, c'était très sympa, chill, sympa. La Suisse comment? La Suisse excellent. C'était bien? C'est la Suisse. Excellent. Bon, Inemour il travaille, hein. Faut, ou alors il fait semblant. Non, il travaille. Il est real estate. Alors, attends. La Suisse comme ça, hein, la Suisse. Ah, ouais, c'est clair. Faut vendre du rêve. Et du coup, on a fait de la route le soir pour aller direction Montreux. Bon, là, vous voyez un peu les backstage. Je suis en train de monter ma vidéo qui est déjà sortie. Forcément, vous l'avez vu la semaine d'avant ou encore d'avant. Ça dépend si j'ai pu monter rapidement mes vidéos. Je suis sur Final Cut, mais je vous avoue, là, ça bouge beaucoup, beaucoup. Mais bon, j'avance un peu, c'est déjà bien. Et au-dessus de Montreux, on a trouvé un endroit sur Park Fortnite où il y avait douche chaude, enfin, douche publique, mais grand luxe. Ouais, grand luxe. Vraiment grand luxe. La Gab, il va la douche. Vous pouvez voir dans cette petite story que j'ai faite que c'était incroyable, vraiment trop fou. Ouais, Nour, tu fais quoi là? Tu me fais la à manger? Alors là, on fait du riz. Du riz avec, des pâtes. Des ratatouilles, et évidemment. Et des pâtes. Et de la ratatouille. Et un peu d'huile d'olive pour monsieur. Et oui, l'huile d'olive pour les sudistes. Et du beurre demi-sel. Exactement. Donc on était bien, on était propre. Du coup, on a fait aussi de la slackline. Parce qu'il y avait des arbres. Là, oui. Ah, c'était beau, ça, c'était magnifique. On a mangé sur des grandes tables en bois. C'était super sympa. Passé une super soirée, tranquillou. Et voilà.
On a bien dormi. T'as pas eu froid cette nuit-là? Non, là j'étais vraiment bien. Là. C'est vrai que là il faisait bon, hein, en fait. Hein. Ça, là où t'as vraiment eu froid, c'était le premier jour et après. Ouais, bah en fait, franchement, c'était la première soirée qui était la plus compliquée, mais après tout le reste, c'était vraiment ça bien. Roulait, quoi. En fait, ça fait déjà 3 jours et en même temps, seulement 3 jours, on a fait tellement de choses, on a rencontré tellement de gens et en plus géniaux, comme on l'a déjà dit. Parce que ce que je tenais à dire aussi, ce qui est super important, ok, le voyage, voyager dans des coins super cool, c'est top, c'est bien. Mais ce qui est encore mieux, c'est de rencontrer des gens qui t'expliquent, qui te montrent des choses, qui sont tout simplement gentils, et c'est trop bien, et moi j'ai trop apprécié. Et sachez que les prochains jours, comme je vais vous les montrer dans les prochaines semaines, sont aussi cool que ça en fait, sont vraiment bien, sont tous différents, et on a grave kiffé. Voilà, on a grave kiffé. Allez, je te dis ciao, et à la semaine prochaine.